Bonjour, bonjour! Bienvenue pour ce nouveau live. Je suis heureuse de vous retrouver après quelques temps sans live. Il faut dire que mes semaines sont bien remplies. Et comme on arrive avant les vacances, au niveau du boulot, je croule sous le boulot. Et donc j'ai pas vraiment le courage de faire des lives en semaine, et le week-end, eh ben, je rattrape tout ce que j'ai pas le temps de faire en semaine. Donc j'ai pas toujours bien le temps. Donc là ça va se calmer bientôt, je vais avoir des vacances, on va pouvoir streamer un petit peu plus, ça va être super sympa. Donc on continuera à faire Crash Bandicoot, sauf que là j'avais pas vraiment envie d'un jeu de plateau, un jeu de plateforme plutôt, j'avais envie d'un jeu d'aventure. Donc j'ai décidé de me lancer dans The Order 1886. Je le prononcerai pas à l'anglaise. 1886. Parce que je sais qu'il est pas forcément très très long. La Blairelle l'a déjà fait il y a quelques années, donc comme ça on pourra utiliser sa mémoire si on ne trouve pas la solution. Et j'espère le finir pendant mes vacances. Ça fera toujours un jeu que j'avais envie de faire de fait. Et ce qui va être cool, c'est qu'après Noël, normalement, j'aurai une caméra et donc on pourra passer... Oublie. On pourra passer du temps aussi sur les jeux ordinateurs. Donc je verrai ce que je ferai, mais honnêtement, sur ordinateur, je serais bien tentée de me faire une petite partie de Star Wars Rebellion. Alors le jeu est en anglais, mais c'est pas grave, je gère. Donc voilà. Donc pour l'instant, on avait envie d'un petit jeu d'aventure. Enfin, un petit jeu. Voilà, je sais qu'il y a une ambiance steampunk et tout ça. Donc ça risque d'être plutôt sympa. Et je vais sûrement me faire crever tous les 4 matins. Ouvrez les compteurs à mort. Et préparez vos clips parce que je pense qu'on va rigoler, comme d'habitude. Alors, une nouvelle partie. Parce que peut-être qu'il y a la partie que la Blairelle avait fait il y a quelques temps. Seul le son du micro est diffusé. Nouvelle sauvegarde. Tu vas tirer sur tout ce qui bouge. Ouais, non, il n'y a pas eu de bug, Laura. C'est juste qu'il y a eu une sauvegarde spéciale. Donc ça a peut-être coupé un peu l'image, mais il n'y a pas eu de bug. Hein. Il n'y a pas eu de bug. Tu crois que tu es encore ? Aucune idée. Je suis en train de nourrir les poissons. De beau, l'ami. Ah putain, ça fait mal au réveil de voir des gueules. Il a bien failli nous claquer entre les doigts. On en remet une couche ? Non. L'échauffement. J'étais sûr, je vais me prendre une baigne. T'inquiète pas. C'est pas fini. On recommencera plus tard, d'accord? Allez, par ici. Lève-toi. Monte là-haut. On pourrait pas avoir des jeux d'aventure mignons où on se fait pas torturer, maltraiter, défoncé par la nature. Ça pourrait être sympa, non, aussi.
Aucune idée. Je suis pas là depuis longtemps. C'est l'heure de votre bain, Milord. Encore ? Mais je viens de me laver, ça suffit ! À ce rythme, je vais faire les commentaires. C'est peut-être les virer. Là, un écran. Et puis moi j'y verrai peut-être mieux aussi parce que c'est reparti. Quand il va falloir tirer sur tout ce qui bouge, ça va être encore méga folklore. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. Ouais, glou, glou. Alors, on va juste enlever les sous-titres, vous inquiétez pas. Afficher les commentaires. Non, c'est pas ça. Paramètres. Hop. Voilà. Ça, je vous vois plus. Ça, je vois plus ce que vous me dites. Ah. Allez. Ah non, j'aime pas quand il faut faire ça. J'ai pas de réflexe. Tiens, vas-y, prends ta douche. Tiens, moi je vais te noyer. Bim. Mais t'as cru quoi? T'as cru que c'était le monde des bisounours ici? Autour de nous, ma caméra. J'adore trop le mec. Pour me déplacer. Allez, on va se casser. Oh là là, on va pas aller bien loin, mon pauvre chanchon. Vers l'avant et appuyer sur L3 pour avancer plus vite. Alors là, on va faire ce que j'aime le plus, l'orientation dans les jeux. Et toi t'aimes bien les QTE, Xur? Bah ouais, moi le problème c'est que j'ai pas de réflexe.
T'as pas trouvé de rime en U. J'aime me vautrer dans la fange. Orienter L vers la gauche et appuyer sur rond pour changer de point de couverture. Il y a de l'ambiance, dis donc, on se bled. Utiliser elle pour se déplacer. Tu parles, c'est à peine s'il peut avancer le coco. Si je tombe sur un garde, je risque pas de lui mettre une balle entre les deux yeux, hein. Je tiens déjà pas debout. Non, allez. Du calme, mec. Entre. Ferme-les. Si on discutait un peu plus tôt. Vous sentez venir le QTE que je vais rater et que je vais me faire une grosse poutrée? Le détenu dont tout le monde parle. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir. Un mort en sursis. Tu devrais pas quitter les catacombes. La ferme. Très bien. Bon, c'est des funérailles, pas les miennes. Oh bah, Mimine. Je sais pas si vous entendez mon petit chat qui pleure. Pause. Attention. Il a déjà tué deux de nous. C'est pour ça qu'on a des ordres tirés à vue. Il est armé. Il est armé. Ça va là, faut ouvrir le feu. Oh, les barreaux. J'étais sûr. Pas des autres technos avec des guns là. J'adore, c'est écrit petit donc j'arrive pas à lire et donc le temps que je lise. Il a déjà tué deux de nos hommes, c'est pour ça qu'on a des ordres. Et ben voilà, le temps que je lise, et ben je me suis pris une bombe dans ma gueule. Il est armé. Oh les carreaux. Ah!
Allez, tu vas mourir. Voilà. Rendez-vous vite, monsieur. Le prochain tir sera très concret. Ah, super, il neige! Là, sur le toit! Ok, est-ce qu'il va se faire un beau vol plané? Finis de jouer, Galahad! Rendez-vous, et vite! Galahad. En l'air, vite! Les mains en l'air! Plus un geste! Quoi? Ne fais pas ça! Rendez-vous, vous dis-je! Les mains sur la tête! Vous avez osé trahir notre ordre. Nul n'échappe au châtiment. Vous oubliez, grand chancelier. Je suis déjà un homme mort. Galahad! Glou, glou, glou. Galahad, réponds, ici le commandement. Je t'entends, Perceval. On fait une petite balade au parc, hein? Provençal, le Gaulois. Le randonnier matinal stimule vraiment les sens. Je ne veux pas perturber ta promenade, mais plusieurs cibles ont été confirmées sur Grosvenor Square. Quels sont les ordres? Va à la United Inia, où savez qui graine la faillette pour circonscrire la menace. Tu l'as en visuel? En cours s'affiche en haut de l'écran, localisé. Juste devant moi. Parfait. Évalue la menace une fois sur place et avance prudemment. Est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement? Oui. M2, ah. Falcon Essex. Bah peut-être de ton côté, Xian, parce que moi, j'ai pas de soucis. La fonction secondaire du Falcon devrait aider. Nous avons certes affaire à des fous, mais il n'en reste pas moins des civils. Utilise la force non létale, si possible. Compris. Tu nous rejoins? J'ai une petite affaire à régler. Je vous retrouve après. Bon, en route. Terminé. Petite rando sur les toits. Bonjour. Ouais. Elle est où, Ygraine? Mysterious disappearance in Whitechapel. Une
escalier, on peut descendre, on verra après. On va finir de faire le tour. Non, bah, on va aller prendre l'escalier là-bas. La famille Machin, 20 juillet 1886. Bonjour, messire. Il m'a appelé messire. Pas dans le bon siècle, là. Hein. Cylindre phonographique. Ces cylindres aussi contiennent des enregistrements audio. Appuyez sur Options et sélectionnez Archives pour écouter les enregistrements. Sous l'ère du Terre Pendragon, alors qu'il était roi de toute l'Angleterre et régnait en tant que tel, vivait dans les Cornouailles un puissant duc qui depuis longtemps défiait son autorité. Cet homme était le duc de Tintagel. Le roi Uther demanda un jour qu'on lui présenta ce duc, accompagné de son épouse, laquelle était réputée pour sa beauté et sa finesse d'esprit. Elle s'appelait Ygraine. Traitée telle de grand seigneur, le duc et son épouse furent ainsi présentés au roi. Il les reçut avec les plus grandes attentions et apprécia la duchesse plus que de raison, à tel point qu'il finit par nourrir le brûlant désir de partager sa cour. Femme de très grande vertu, celle-ci se refusa toutefois au roi. Elle en informa alors le duc, son époux, et dit « Quel déshonneur que nous ayons été envoyés ici dans ce seul dessein. Pour cette raison, mon époux, je recommande que nous quittions cet endroit sur le champ et que nous profitions de la nuit pour rejoindre notre château. » Ils vont nous raconter toute la légende arthurienne. Je descends la rue en ce moment. Compris. Je peux pas retourner en arrière. Non, j'aurais dû finir d'explorer la maison. Tant pis. Négatif. Idem. Il est probablement en train de batifoler. Enfin, toujours fidèle à lui-même. Je comprends ton inquiétude, mais crois-moi, il saura se débrouiller. Si tu le dis, je n'ai pas le temps de partir à sa recherche. Je vais affecter les inspecteurs à leur poste. Charles Dickens. L'anneau des Nibelunga. Bon, si j'ai bien compris, il faut que je trouve Ygraine.
Mais en même temps, si je trouve mon pochetron de pote qui est en train de se faire une petite branlette quelque part tranquillou, ça c'est pas mal. C'est ça l'idée. Ouais, j'aime bien explorer les cul-de-sac. Je veux toujours aller vérifier en fait qu'il n'y a pas un truc qui traîne et qui soit au fond du cul-de-sac et que on le rate parce qu'on va pas au fond du cul-de-sac. Ça va bien, monsieur ? Simulateur de randonnée, oui, carrément. Galad, veille à boucler tout le secteur et en silence. Comment es-tu arrivé aussi vite ? Le talent. Je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge. Aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude. Mais sire, la demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy, c'est pas ton genre. Qui sont les cibles ? Des aliénés qui se déchaînent. Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. J'espère que tu n'as pas perdu la main. N'oublie pas qui t'a formé. C'était le meilleur, en son temps. C'était. Tu assures toujours ? Pas autant que moi. Bien, madame. Ygraine, réponds. Bien reçu, Perceval. Fugitif multiple repéré à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Compris. Bien, Gray. En route. C'est là que ça va se compliquer, Sean. Vraiment ? Je dois bien avouer qu'ils sont superbes dans leurs uniformes. On les voit rarement, mais c'est rassurant de savoir qu'ils sont là pour veiller sur nous. Il en va de même pour l'armée de la United. Et c'est là que mon grand sens de l'orientation va être très pratique. C'est que dans 10 minutes, si on me demande de revenir là, je sais pas où je devrais aller. Ne laissez personne passer. Vous n'avez pas besoin d'aide, ma belle. Vous voulez dire un homme pour prendre les choses en main ? C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. Des ennuis ? Les mercenaires à la gâchette facile ? La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en retrait. Alors, c'est là qu'il va falloir que je fasse appel à mes talents. C'est parti. Alors. D'accord. Sergent.
C'est bon. En avant. Oh mon Dieu. Sortez d'ici, trouvez des armes. Vous deux, ramenez-vous vite ici, venez m'aider. Allez. Allez. C'est parti, bande de bâtards. Un fusil serait plus approprié. À terre. D'autres fugitifs dans la ruelle. On les aura ! Certains se dirigent vers l'atrium. Il y en a d'autres dans la cour. Ah, je peux pas avoir tous les pistolets. C'est nul. Oh, des escaliers. Ouh, il commence à y avoir du monde là. Ah, merde, j'ai failli tirer sur la fille, quelle andouille. Merci, on a un là-bas de gogol. Cible anéantie. Il faut que je recharge. Merde. Ah d'accord, il est là. C'est verrouillé. J'entends du bruit à l'intérieur. Vite, d'autres fous à l'intérieur.
Oh, il est sympa, mon petit simulateur. Pour faire récupérer les missions. Ça va ? Mon sang ! Ça pique. C'est une boucherie. T'es prête ? Dégageons ces ordures. Il est sympa, mon simulateur de chasse. Merde. On y va. Je vais me faire buter comme un couillon, putain, mais vous arrêtez de bouger, bordel! Mais arrête de bouger, couillon! Deux yeux! Bravo, Padoué, on tira. Il y en avait d'autres à l'étage supérieur. Nous devons y aller. Compris. Allons au deuxième ton étage. Ton fusil pour la longue portée, c'est pas faux. Se passe comme prévu, alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Matinée ordinaire, tu tues des fous, voilà. Et puis ta copine, enfin ton copine dans le sens amie, elle se prend une balle dans le bras, tout va bien, matinée normale. Silence. Évidemment. Tu crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois ? Hein ? Et on peut pas les pécho comme ça ? Si. Eh, ça j'aime bien ! Bim, tiens ! Tiens, regarde ce qu'elle t'a mis dans les dents, la nana ! Pau, comment elle t'a poutré !
Bim, bim, tiens, peau. Comment je t'ai défoncé. Ils sont où tous les enragés là? Objectif neutralisé. Bim. Cible anéantie. Tiens. Pièce sécurisée. Tu veux, Galad. Allez, bim. Saloperie. Il faut que je recharge. Putain, ils sont immourables. Vous deux. Chef, descendez. Il y a des. Mais moi je veux des munitions pour mon fusil, j'ai que des munitions pour les petits guns. C'est nul. Il était à côté. Moi je veux un fusil à pompe. Y'a que ça de vrai. Est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire? C'est ton problème. Essaye de pas t'attarder. On était en train d'exploser des tarés et l'autre il compte fleurette à la nénette quoi. Cette demoiselle requiert mon attention. Marquis, ton attention est requise ailleurs. Soyez sûre, mademoiselle, que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation. Oh, Marquis, ne partez pas ainsi. Hélas, mademoiselle, mon devoir m'appelle ailleurs. Oh putain. Mais paye ton boulet quoi. Ravissante, n'est-ce pas? Je n'avais pas vu. C'est parce que vous n'êtes pas français. Tu es le plus américain des Français que je connaisse. Je suis un amoureux de la liberté, mon ami. Un vrai chevalier doit réfréner ses passions. Sans passion, monsieur, un homme ne peut combattre. On ne combat pas des hommes, Marquis. Homme hybride, quelle importance. Vive la liberté! Le plus français des Américains, c'est clair. Il y a le chat qui est en train de me pousser du canapé. Perceval.
Pourquoi je sens que ça va faire boum? On y va. Pas trop tôt. Marquis, prenez cette entrée avec Dame Ygraine. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Oui, monsieur. Monsieur. Mais moi, je veux jouer avec le Marquis, c'est vachement plus rigolo de jouer avec Lafayette. Mais non, mais moi, je veux te foutre pour mon fusil. Quartier général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers. La police vient de boucler les zones concernées. Des sentinelles continuent de patrouiller. Nous vous alerterons si nous repérons les patients en fuite. Compris. Ah non, mais si je commence à me balader dans les couloirs, c'est mort! Non, moi je joue Galad. Mais non, mais moi je veux jouer avec Lafayette, bon. J'étais sûre de te battre sur ce coup. N'oublie pas, les jeunes gagnent toujours. Mais dis que je suis vieux, connasse! Je suis pas vieux, je suis expérimenté. Écoutez, l'un de nos fugitifs est un hybride. Un petit loup-garou pour la route. Et je me souvenais pas de ça quand t'avais joué la Blairelle. Bon courage, ouais, je crois. Et moi, je veux pas tuer des loups-garous en plus. Ah, mademoiselle, êtes-vous proche de lui? Oh punaise! Il va falloir du temps pour le rejoindre. Oh là 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 là, paye mes réflexes pour lingue. Il est où? Il est où? Merde, je me trompe de bouton. J'appuie sur O au lieu d'appuyer sur triangle, sur X. Non mais moi je veux pas bousiller du licorne. Cible confirmée de mon côté. Ah!
Mince. Tous les côtés. Moi, je veux pas assassiner du loup-garou de Dieu. Ah, moi, je suis team loup-garou. Donc non, c'est pas possible. Monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai presque tous eus. Le dernier s'est enfui. Irène, ton électrofusil! Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le. Compris. Ah non, mais moi je veux plus jouer. Moi je veux plus jouer. Je veux pas zigouiller du loup-garou, quoi. L'animal. Tout le monde va bien? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Regent Street. Bien reçu. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Westminster, les catacombes. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sir Perceval. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de Sa Majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher Sir Perceval. Elles pointent dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion.
puis ce Jack, ainsi que l'éventreur, puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, voyez. Le conseil se réunit dans 2 jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Par ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviens de votre conseil. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des ronds de cuir. Perceval a raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Je me rappelais pas qu'il y avait du loup-garou à bousiller. Mais notre ordre s'est toujours acquitté de sa mission sacrée, en préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Telle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. Que son nom puisse briller à jamais. C'est vrai? Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur? D'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé par une épidémie qui n'a aucune commune mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fléau Lycan qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas de la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse... Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence et effort conjoint, pas une riposte hâtive. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs? Lord Hastings? Lord Danglas? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Fort bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de Sa Majesté sur l'affaire Whitechapel? Pour ou contre? Non, oui. Non. Les contres l'emportent. La séance. Comment est il a levée. Compté, les gars? Sérieux? Notre ordre est trop prudent, Grayson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. A pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarier quand il a une idée en tête. Alors, j'avoue que je suis un peu dubitatif du fait qu'ils aient choisi le marquis de Lafayette pour jouer dans un jeu où clairement on est en Angleterre et que le marquis de Lafayette il a poutré les Anglais aux États-Unis avec Washington. Beaucoup se lassent de l'insubordination de frère Perceval. S'il y en a un qui peut se permettre de défier l'autorité. Et donc c'est un petit peu bizarre de l'avoir dans les rangs anglais, quoi.
Disons que c'est pas le personnage que j'aurais choisi, quoi. Mais c'est peut-être l'un des personnages de cette époque le plus populaire auprès des anglo-saxons. En bien ou en mal, peu importe. Galahad réglera le problème en temps voulu. J'ai une affaire plus urgente à gérer. Non, c'est quelle heure ? C'est 16 heures. Combien d'entre eux vont faire le voyage pour les Amériques ? Lord Barrett, Lord Darwin et moi-même. On m'a dit beaucoup de bien de l'Agamemnon, Lord Hastings. Ah, c'est le fleuron de la flotte de la United India Company. Je vous promets une agréable et rapide traversée de Mais comment il a trop une gueule de vampire, lui ? Viendrez-vous à l'inauguration, Sir Lucan ? Ce sera un honneur de vous escorter jusqu'au vol inaugural. Sir Lucan, puis-je ? Vous permettez, messieurs ? Bien sûr, messire Perceval. Alastair, tu sais comme moi que Whitechapel est la clé de tous ces troubles. La clé de tout. Mon avis importe peu, le conseil a parlé. Peu ont osé contremander les directives de ton père. Dois-je te rappeler que nous servons tous selon les souhaits du grand chancelier ? Tu es chevalier commandant ! Fais-lui entendre raison. Tu trouves que tenter d'infiltrer une place forte rebelle est raisonnable ? À mon sens, le risque est acceptable. Tu serais alors tenu personnellement responsable en cas d'imprévu. L'acceptes-tu ? J'assumerai toute la responsabilité. Et seul. Whitechapel reste inaccessible. Du moins, officiellement. Merci, Sir Lucan. Je n'ai pas besoin de remerciements, mais de résultats. Bien, chevalier commandant. Bon, on y va. C'est formidable. Quand y allons-nous ? Vous ne parlez pas de Whitechapel, mais mon Ton frère a cru bon d'autoriser une reconnaissance. Préparez le matériel qu'il faut. Isabeau, un mot. Dites-moi, monsieur, sur le grand chancelier. Qui a-t-il marqué ? Il a adopté Messire Lucan et Dame Ygraine, c'est ça ? En effet. Pourquoi leur a-t-il infligé une telle vie ? Il tentait de regagner un semblant d'humanité qu'il a perdu. Au moment de rejoindre l'Ordre, ils ont fait leur choix. Peu importe. Je ne souhaiterais pas cette vie à mes enfants. Marquis, dépêchons. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur... En même temps, si je dis pas de conneries, le marquis de Lafayette, il a quasiment vu que des filles, donc... L'ami Mallory a toujours eu tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il n'y a pas meilleur homme. Mais... je compte sur toi pour le ramener dans le droit chemin. Nous faisons équipe depuis bien longtemps. Je lui confierai ma vie. Un peu de retenue serait la bienvenue. Oh, je pense qu'on va finir... Bien sûr, ma sœur. Tu veux ? Quand Isabeau veut se mettre en danger, impossible de la dissuader. Tu as raison. Je ne suis que son frère. Bonne chance, sois prudent. Je pense qu'on va arrêter là. On va pas se relancer dans le deuxième chapitre, là, une fois que les cinématiques seront passées. À votre je pense disposition, que les... Sir Galahad. Voilà, va y avoir une sauvegarde. Suivre Tesla. Oh non ! Oh non, mais pas encore lui ! Juste attends. Je pense qu'il y a de la sauvegarde automatique. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que moi je suis pas une grosse joueuse, hein, j'aime bien faire des petites sessions et j'ai pas mal de cuisine à faire aussi parce que je suis une pas trop mauvaise cuisinière, mais ça prend un petit peu du temps. Donc je vais vous abandonner là, j'espère que vous avez pris plaisir à me regarder poutrer des pauvres licans innocents. Team Lican pour toujours. On reprendra cette espèce de boucherie de lican, je ne sais pas trop quand, je vais essayer cette semaine quand même de me dégager du temps, même si c'est pas gagné. Et voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé ce jeu, j'aime bien le côté aussi très cinématographique du jeu, hein, même si en streaming c'est pas forcément évident parce que ça laisse des grandes phases de blabla et tout ça, et je peux pas parler par-dessus. Mais dans tous les cas, j'ai bien apprécié. Donc j'espère que vous avez apprécié aussi. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Salut à tous, bye bye !